Salut à tous, c'est Elena. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des mangas qui m'a motivé de lancer cette chaîne et qui m'a également redonné la foi en shoujo. C'est La courtisane d'Edo de Kanoko Sakurakuji, qui fait partie de la collection Pika Edition depuis le printemps 2018. L'auteur nous envoie au Japon de l'époque d'Edo, dans les quartiers du plaisir de Yoshiwara, à Edo. On suit l'histoire d'une orpheline issue de la noblesse militaire, Akane, qui se fait vendre par sa famille d'accueil au propriétaire d'une des plus grandes maisons closes du quartier, l'Akibonoro. Un destin plutôt malheureux pour une jeune fille de la noblesse. Comme il ne reste plus qu'elle de sa famille, personne ne peut empêcher cette vente. Tout ce qu'il peut faire, c'est d'accepter son sort, suivre la formation de courtisane et espérer d'avoir du succès une fois lancée en tant que telle. Par chance, les propriétaires décident de faire d'elle une suivante de la plus grande courtisane de la maison, de Loeran Asakeno, qui devient sa grande sœur. Akane sera formée et conseillée par une des stars des quartiers, ce qui fait d'elle une vedette à devenir si elle arrive à bien se débrouiller. Le jour de son arrivée, elle fait une rencontre avec un jeune homme qui aurait pu changer sa vie. Un certain Susuke Omiya, héritier d'une famille des courtiers Henri, est prêt de racheter la liberté d'Akane après l'avoir croisée dans la rue. Du jamais vu dans cette maison, d'être racheté le jour même de son arrivée. C'est le rêve de la plupart des courtisanes, de retrouver la liberté, donc évidemment tout le monde est perturbé par cette proposition, sauf que Akane refuse d'être achetée, ce qui choque les gens encore plus. Personne comprend ce qui se passe dans la tête de cette fille. Sauf que, bien évidemment, tout n'est pas si simple. C'était le choix de Akane d'être vendue à une maison close. En fait, elle est venue ici pour trouver les meurtriers de ses parents. La seule indice qu'elle a, c'est une cicatrice en forme de lune sur le corps de l'assassin. Et où est-ce qu'elle peut voir des corps nus? Des hommes, dans une maison close. Et tout ne s'arrête pas là. Après le meurtre, son père a été accusé de la trahison a posteriori. Les terres et les richesses de la famille sont confisquées, le titre détruit et Akane est confié à une famille d'accueil. Refusant d'accepter ces accusations, Akane cherche à restaurer le bon nom de sa famille et de trouver qui a commandé le meurtre de ses parents et pourquoi. Son but donc est de devenir une Oiran, une courtisane de plus haut rang, pour pouvoir côtoyer les nobles les plus puissants du pays et avoir accès à leur corps. Quant à Susuke Omiya, il ne laisse pas tomber son envie de racheter la liberté d'Akane. Malgré son attitude des fois méchante, il essaie d'attirer l'attention et les faveurs de la fille en lui faisant des cadeaux et en donnant de l'argent pour sa formation ainsi que pour ses défilés. Akane ne le sait pas, mais le jeune Omiya la connaît depuis bien avant le jour de son arrivée à Yoshiwara. La grande question par contre, c'est qu'est-ce qu'il veut vraiment d'elle et est-ce que Akane peut lui faire confiance? Au moment de la sortie de cette vidéo, 6 tomes du manga sont apparus en France. Des nouveaux personnages font leur entrée en jeu, notamment le serviteur de la famille de Akane, Richiro, son premier allié, mais aussi son gardien, qui ne veut surtout pas qu'elle devienne une vraie courtisane. Il est dévoué corps et âme à Akane, certains se demandent même s'ils sont pas amoureux. Il y a évidemment de nombreuses courtisanes qui entourent Akane. Les unes deviennent ses amies, les autres des rivales, comme par exemple la deuxième suivante de la grande sœur d'Akane, Yukari, qui a grandi dans la maison close et qui compte devenir une Oiran elle-même, et qui n'a pas besoin d'une fille qui pouvait lui faire de l'ombre, bien évidemment. Mais le personnage qui nous intéresse le plus, c'est bien sûr Susuke Omiya. Bagarreur, intelligent, riche et plutôt influent, il devient le client attitré d'Akane. Il réclame toute son attention et veut que personne d'autre ne touche un seul de ses cheveux. Mais pourquoi? Akane n'arrive pas à le cerner. Elle ne sait surtout pas s'il peut lui faire confiance. Pourquoi il se gêne pas de se comporter comme une ordure avec elle, mais la couvre quand même de cadeaux? Est-ce qu'il deviendra un obstacle pour le plan d'Akane à cause de son envie de racheter sa liberté? Un ennemi même qui voudrait la détruire car en fait il déteste la noblesse militaire dont la jeune fille faisait partie. Ou peut-être il voudra faire tout son possible pour trouver les assassins des parents de Akane et une fois son secret révélé. Attention, on n'oublie pas que la courtisane d'Edo est un shoujo. Découvrir le complot c'est important, on est d'accord. Restaurer la famille aussi, mais le manga ne peut pas se passer d'une romance. Ce sera l'histoire d'amour entre Akane et Susuke, mélangé aux intrigues et les complots des fonctionnaires du shogunat. Et des complicités, il en aura plein dans cette histoire. Un amour sans avenir à cause de leurs statuts sociaux, avec le complot à découvrir. Une aventure très risquée car ils peuvent se faire tuer si l'on découvre leur but, car des gens vraiment très haut placés sont mêlés dans l'assassinat des parents d'Akane. En plus de ça, plein de portes de sortie s'offrent à la fille. Elle pouvait vivre son amour avec Susuke, mais en échange, elle devrait renoncer à restaurer sa famille. En revanche, si elle choisit de poursuivre son but et aller jusqu'au bout pour rétablir le bon nom de sa famille, elle ne pourra plus jamais être avec Susuke, car à l'ère d'Edo, il est impossible aux gens de différentes castes de se marier entre eux. Entre l'amour et la famille, que choisirait Akane? Et Susuke serait-il prêt de renoncer
penser à la fille qu'il aime pour l'aider d'accomplir son but. Ben voilà, voilà. C'est ce que j'aime bien dans ce manga. L'amour n'est pas la trame principale de l'histoire. L'héroïne a un but et elle aura besoin de faire beaucoup d'efforts pour y arriver ainsi que du mental très solide. Elle est obligée de rassembler des alliés, de charmer ses possibles complices et surtout encaisser des conséquences. Ce n'est pas un trailer psychologique, il aura pas de stratagème folle et incroyable. Par contre, on verra ce que l'amour, le dévouement et l'intérêt aussi peuvent pousser les gens de faire. Tout ça dans l'ambiance du quartier de plaisir de Yoshiwara. On découvre le quotidien des courtisanes avec les visites des clients, des journées de repos, les fêtes et les défilés. Akane poursuit sa formation de courtisane avec tout ce qu'il en découle, c'est-à-dire des cours, des occasions à saisir et plein d'autres choses. Le dessin est très agréable à regarder. Grâce au côté historique du manga, on a droit aux jolis kimonos, des coiffures et des décors de l'époque. Et je pense que vous me connaissez déjà assez bien, j'adore ce genre de manga qui nous mettent bien dans l'ambiance et nous permettent d'apprendre quelque chose. J'aime beaucoup cette histoire pour son héroïne assez forte et le background que l'auteur a mis en place. J'attends avec impatience la sortie des nouveaux tomes depuis que j'ai découvert la série car l'histoire est prenante, on arrive à bien ressentir les émotions des personnages et on sait que le sentiment qui accompagne Akane et Sosuke dans leur histoire d'amour, c'est le désespoir. Le désespoir qui fait du bien, qui change et qui pousse de vouloir qu'ils puissent trouver une solution pour être ensemble malgré tout. Ils n'acceptent pas leurs sentiments tout de suite, ça prend du temps. Dans chaque nouveau tome, on se demande si leurs sentiments vont prendre le dessus et en même temps, s'ils vont découvrir de nouvelles informations sur le meurtre des parents de Akane. C'est assez palpitant. Si vous aimez des shoujo et des mangas sur le Japon, vous pouvez lire cette série sans crainte. Je pense que vous ne le regretterez pas. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette série si vous l'avez déjà lue ou si elle vous donne envie de la lire. N'oubliez pas de me dire aussi quels sont vos mangas du moment et des séries que vous aimeriez me voir traiter sur la chaîne. Partagez la vidéo aux gens qui pourraient être intéressés par le manga et laissez un petit pouce bleu pour que YouTube propose cette vidéo au maximum de personnes. Sur ce, je vous dis à la prochaine, des bisous.